Eh bien, yo tout le monde, c'est Team Carna Fishing. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon flottube. Donc c'est une petite série qui commence, donc il y aura trois parties. Donc première partie, je vous présente mon flottube. Deuxième partie, je vais vous présenter tous les accessoires qu'il y a avec. Donc le porte-canne, les waders, les puzettes, des trucs comme ça. Et la troisième partie sera la partie finale, le flottube complet, donc avec les cannes, les boîtes de leurre et tout ça. Et je vais vous présenter tout ça sous forme de partie 1, 2 et 3. Donc là, on commence tout de suite la partie 1. Donc voilà, on peut voir que c'est un flottube 7 Bass, donc c'est l'un des premiers prix. Donc moi, je l'ai acheté d'occasion, mais il est comme neuf. Enfin, je l'ai eu comme neuf, vraiment. Le monsieur à qui je l'ai acheté, il avait fait qu'une sortie. Et en fait, il est tombé à l'eau, il a eu peur et du coup, bah, il a voulu arrêter la pêche en flottube et du coup, il l'a revendu. Donc voilà. Donc c'est un des premiers prix. Donc comme vous pouvez le voir, là, il manque une poche par rapport à l'autre côté. Parce que le monsieur l'avait enlevé, parce que c'est plus pratique de mettre le porte-canne de ce côté-là sans la poche. Du coup, je me retrouve avec une poche, mais c'est pas grave, ça fait amplement en faire. Je mets 2-3 boîtes et voilà. Donc on va tout de suite se retrouver près du flottube pour vous présenter un peu de plus près. Donc voilà, donc là on se retrouve de plus près. Donc comme vous voyez au milieu, il y a une assise donc qui est très confortable. Donc après... Là-bas, le long, là, on a tout ce qui est pour mettre les rangements. Donc, c'est une petite trousse, hein, si vous voulez. Et dedans, mais les boîtes de leurre. Juste là, les deux crochets que vous voyez là et là, c'est pour mettre mon porte-canne. Donc, je vous montrerai tout ça dans la partie 2. Après, derrière, on a un petit espace. Donc, moi, je me mets une petite caisse. Et je mets du petit matériel, tout ça, au cas où, en cas de secours. Après, comme vous voyez, là et à peu près là, en fait, c'est pour mettre la barre pour éviter qu'on tombe. Enfin, une barre avec un filet, donc ça me permet de poser les poissons quand je les prends. Et je vous montrerai tout ça. Il y a même un petit tapis avec les nombres de centimètres. Voilà, donc on va se retrouver l'autre côté pour regarder un peu la poche de plus près. Donc là, voilà, on s'y retrouve. Donc c'est une petite poche simple. Donc là, on a un petit truc pour mettre une canette. Donc ce qui est assez bien ou autre chose. Donc là, après, on a la grande poche donc, qui permet de mettre mes boîtes. Et derrière, on a un petit truc de rangement. Donc moi, je mets mon mètre. Et une petite pince qui est pas dedans. Donc dans la grande poche là, j'ai un gant. Donc anti-coupure, mais je le mets pas souvent. Ça, c'est au cas où j'attrape un silure. Donc là, on a ma pince principale qui fait multifonction. Hop, donc voilà. Et après, bah, c'est tout ce qu'on trouve dans cette poche. Donc voilà, donc on se retrouve derrière le flottube pour vous montrer un peu la place qu'il y a. Donc voilà, une fois derrière le flottube, donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même assez de la place. Donc moi, je mets une grosse caisse qui fait toute la largeur. Et donc voilà, et donc là, on retrouve... Autofocus, merci. On retrouve les valves pour gonfler avec la pompe. Donc voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Les assises, celle-là, là, celle que vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Mais celle-là, en fait, c'est pas un... Parce que normalement, c'est un truc qu'on gonfle. Mais là, j'ai mis un truc en mousse que... Bah, qu'on peut pas gonfler. En fait, c'est un truc en mousse. Et donc, je suis mieux installé sur celle-là. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire 2-3 petits plans. Et donc, voilà.
Donc voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc dites-le nous en commentaire si ça vous plaît ce genre de série qu'on est en train de faire. Aussi, on voudrait changer le nom de la chaîne YouTube. Donc on voudrait mettre Team Nature vu qu'on s'est décidé à faire d'autres vidéos que de la pêche. Donc bah Team Nature, donc tout ce qui est dans la nature, donc du VTT, de la chasse, de la pêche et de la moto, mais la moto j'en ferai plutôt pareil dans la forêt, dans les bois. Donc voilà, donc dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord pour changer le nom. Au lieu de Team Carna Fishing, on met Team Nature. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et à partager la vidéo et la chaîne si ça vous a plu. Et bah voilà, et moi je vous dis sur ce, bye.